L'histoire en retiendra. Samedi 5 mars 2020, Olive Lembe Kabila foule pour la première fois les sols de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Accueilli au pied de l'avion par Jeannette Kabila, députée nationale, élue de Kalemi, après, la fondatrice de l'ASBEL Initiative Plus sera sous l'abri d'un accueil chaleureux réservé par les enfants de Kalemi. Aux côtés de Jeannette Kabila, la fondatrice de l'ASBEL Mouzoué Laurent, sur les boulevards Lumumba de Kalemi, où les chants des joies ont embrasé les avenues environnantes, laissant les boulevards Lumumba de Kalemi inondés d'une marée humaine, escortant l'ex-première dame jusqu'à l'hôtel Thiam, où elle s'adressa à la population en présentant les salutations de son cher époux Joseph Kabila Kabongé, fils d'Ikouan, avant de dessiner l'objectif de son déplacement. L'ambiance est totale. La fondatrice de l'ASBEL Initiative Plus sera aux côtés des fils et filles du Tanganyika pendant plus de 6 jours à Kalemie.